Bienvenue dans la deuxième présentation de factions sur PvP Warcraft. Je suis tellement content de vous retrouver comme d'habitude sur ce style de vidéo. Alors comme d'habitude, vous pouvez gagner 10€ de points boutique sur cette vidéo. Il suffit de commenter le pseudo, ton pseudo Minecraft juste en dessous de cette vidéo, de liker et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une petite faction qui est très calme. On n'entend pas trop parler sur le serveur PvP Warcraft, mais je pense que ça fait du bien de découvrir aussi d'autres factions qui sont tranquilles pépères. C'est des farmers, bref, je vous laisse découvrir tout ça. Merci à vous en tout cas pour tous vos retours positifs sur ma chaîne YouTube et merci à tous les joueurs de PvP Warcraft. Très bonne vidéo à vous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation sur PvP Warcraft et aujourd'hui je vais présenter une faction qui s'appelle Cacaboudin alias Pied de Biche, le leader. Coucou à toi Pied de Biche. Salut. Alors comment tu vas? Bah ça va bien hein. Alors je suis très content de vous présenter parce que c'est une faction que je n'ai jamais entendu parler sur PvP Warcraft et tu me disais que tu étais là depuis maintenant plusieurs années, c'est ça sur le serveur? C'est ça. Alors en tout personnellement, cas, ouais. Bah merci à toi en tout cas, j'espère que... Et c'est toujours la même bande de potes avec vous sur le serveur? Non. Ah ok, d'accord. Bon, en tout cas, on va présenter votre faction. Donc déjà, j'aimerais bien aller voir un petit peu votre farm parce que je sais que vous êtes une faction du coup qui est plutôt farming. Donc ouais. J'ai envie de voir un petit peu comment vous faites pour gagner de l'argent et peut-être que ça va donner des idées un petit peu à nos joueurs qui regardent ces vidéos sur YouTube. Alors je vais me téléporter à toi. Alors Pied de Biche, dis-moi un petit peu où est-ce qu'on est actuellement là dans la petite base là, on est où? C'est une ferme quoi, c'est notre ferme pour augmenter notre ou et se faire des sous. Parce qu'on a besoin de spawner. D'accord, donc vous, vous êtes une faction donc, qui est dans le farm, et en fait, c'est quoi un petit peu votre stratège? Est-ce que, alors, soit tu veux pas le dire, ou soit tu veux bien aider les nouveaux joueurs qui sont sur le serveur Ouais, notre strat, en vrai, c'est juste de monter notre ou au level pour augmenter le XP booster, et le essence booster, pour faire de plus en plus d'essence. Et ensuite améliorer notre trancheuse samouraï et ensuite faire plus de sous avec les spawners. D'accord, pour que je résume en fait, hein, si vous voulez les joueurs, il y a un item qui est là-haut et plus vous farmez avec et plus vous pouvez l'améliorer pour gagner des essences. Et les essences en gros, vous les utilisez dans votre faction pour améliorer votre épée, c'est ça? C'est ça. Et après vous faites de l'argent et vous profitez aussi du shop essence, shop XP peut-être qui est au spawn. Shop XP, il faut que je m'y mette, mais c'est-à-dire que quand je vais PVP en Warzone, bah je perds tout mon XP donc. Bon allez, je vais te suivre, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-haut, donc je suis curieux un petit peu de voir ce que vous farmez. Donc on a beaucoup d'étages, je sais pas combien d'étages on a, mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, c'est pas mal. Et avec la Nether, là, en fait, donc la Nether, attendez, j'essaie de comprendre. La Nether, du coup, c'est pour l'essence, avec là où C'est pour l'essence et les premiers sous qu'on peut faire pour acheter les spawners. D'accord, mais vous farmez, du coup, vous gagnez combien d'argent avec la Nether Art? Par étage, je crois que... par étage, à peu près 8 millions, je pense. Ah ouais, quand même, d'accord. En sachant que tu en as quand même pas mal. C'est bien, vous faites un petit billet quand même, c'est cool. Ouais. Bah quand je commence en haut et que je descends tout en bas, je peux le faire à l'infini quoi. Avoue que farm sur PvP Warcraft, ça rend très addict en vrai. Ouais, c'est bien. C'est vraiment... c'est trop bien. Moi je suis un gros farmer sur tous les jeux, donc j'aime bien farm. Et le farm il est assez bien parce que on peut constamment améliorer notre roue, donc ça permet d'être progressif. Bah, c'était une demande qui avait été demandée par beaucoup de joueurs farmers sur PvP Warcraft et au final on a réussi un petit peu à faire un truc bien. Bon c'est pas totalement fou non plus, mais c'est déjà bien pour les joueurs qui aiment farm et ça les aide un petit peu sur PvP Warcraft à s'amuser et autre que taper du mob. Alors je vois que tu as du melon, alors à quoi te sert le melon du coup comme tu farmes la Nether Art? Le melon ça donne deux fois plus d'essence et du coup je peux améliorer ma ou plus rapidement. D'accord, donc en fait c'est un petit peu un combo entre les deux, c'est-à-dire que tu fais la Nether Wart pour gagner de l'argent et en fait le melon t'aide à améliorer ta ou en gros. C'est ça. Non mais c'est vraiment une stratégie. Franchement les joueurs qui débutent sur PvP Warcraft les gars, bah, cette petite stratégie est vraiment pas mauvaise. Franchement j'aime bien. Alors du coup est-ce que vous avez peut-être une base claim qui est en cours de construction, non? Ouais, une base claim en cours de construction. Alors est-ce que tu veux qu'on va la voir ou tu as peur? Non. Tant que tu drops pas l'écho, moi ça me va. Hein. Allez, c'est parti, on va aller voir. Ah ouais, donc là on vient de se téléporter donc à la création de la base.
Basklime. Donc je vais éviter de montrer les protections qui vont être en cours à l'intérieur. Alors pied de biche, c'est quoi l'idée et la stratégie de votre Basklime? Bah, c'est-à-dire qu'est-ce que vous prévoyez de mettre dedans? Qu'est-ce que vous prévoyez? Bah, tout ce qu'il y a dans une Basklime, hein. Je pense comme tout le monde, hein. Du Alors, stuff. Bah tiens, c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous mettez dans une Basklime, vous les factions par exemple? Il y a une farm, il y a des coffres. Ça dépend le type de faction qu'on est, mais personnellement, oui, il y aura peut-être une farm, je pense. Mais pas plus de stuff que ça, quoi. Plus pour protéger des spawners, c'est D'accord, tout. ok. Et vous allez farmer quel mob si c'est ça? Pour l'instant, tout, mais je pense la Blaze Rod, le plus important. Les Blaze. Les Blaze ou les Golems. Ok, ok. Il n'y a pas beaucoup de factions qui font les Blaze, donc c'est une bonne stratégie. Petite question. D'après toi, quelle est la meilleure faction dans le serveur? C'est-à-dire, quelle est la faction qui a du mérite? C'est-à-dire, qui est calme en jeu, qui évolue tout doucement, mais qui sont là, ils sont présents, ils sont actifs. Pour toi, quelle faction mériterait d'être une bonne faction dans le serveur de Warcraft actuellement? Nous, je dirais. Non, mis à part vous. Je sais pas, entre guillemets, je sais que la Amazing, ils sont assez bons en PvP, mais ils sont beaucoup dans le trash talk. Donc, je sais pas, niveau PvP, je dirais la Amazing. C'est ceux qui m'ont plus le plus fait chier en Warzone. Mais niveau calme, je sais pas, je pourrais pas dire. On les voit pas souvent. Ok, ok. Ouais. Donc les amis, en tout cas, c'est une faction. Alors, c'est une question que j'ai pas encore posée, mais est-ce que votre faction recrute ou est-ce que vous restez entre potes? Ouais, si on serait pour recruter, ouais, mais on serait plus des gens sérieux, quoi. Axé aussi sur le farm. Peut-être des joueurs PVP aussi, s'ils veulent. Mais nous, on est beaucoup farm, donc. D'accord. Donc là, l'idée, c'est que vous êtes en train de vous installer tranquillement sur PVP Warcraft et pourquoi pas le mois prochain attaquer le classement farm. Ouais, voilà, ou attaquer après PVP. Entre guillemets, nous, on vise le top 1, quoi, dans toutes les catégories. D'accord, ok, ouais. Donc vous êtes une faction qui a des objectifs, et ça, c'est vraiment intéressant sur Minecraft, hein. Il n'y a plus beaucoup de factions qui essayent de jouer pour vraiment être les meilleurs, même s'ils sont pas très forts en PvP ou en farm, hein, vice-versa. Bon, en tout cas, c'est cool, c'était intéressant. Je te remercie, Pied de Biche, donc je vais pas vous présenter leur AP, parce que malheureusement, ils en ont pas. Comme sur Warcraft, c'est un nombre d'AP qui sont limités tous les mois, c'est reset les AP. Peut-être que le mois prochain, ils arriveront à avoir un AP dans notre Warzone. En tout cas, merci à toi, Pied de Biche. Merci à vous. Et le Discord de leur faction sera en description. Donc, ceux qui veulent aller faire un tour et puis pourquoi pas essayer de discuter avec eux et rejoindre leur faction, je pense que ça sera avec plaisir. Bye bye, les amis. C'était Kev avec Pied de Biche. Salut.